الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui nous permet, alhamdulillah, de par sa grâce, de venir un peu plus tôt pour cette salat particulière et importante de la vie du croyant. Sayyidul Ayyam nous dit en ce sens la narration qui désigne ce jour de Jumu'ah comme étant le maître de tous les jours. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, dans le respect de ce grand jour, eh bien de venir un peu plus tôt dans sa maison, d'être dans le dhikr, d'être dans l'écoute de quelques paroles, eh bien c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, rappelez un point parmi tant d'autres de notre dîn. Hier soir, il y avait un nikah et on avait abordé un petit point. On s'est dit qu'inch'Allah, on continue à aborder ce point, non pas sur le nikah en lui-même, mais un élément qu'on avait rapporté et qui faisait partie de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les enseignements sont infinis de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants que nous sommes. Et un élément que nous avions mentionné et qui avait toute son importance, bien sûr, dans la vie du couple et de la famille, mais d'une manière générale, de rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un homme qui était soigné. Voilà, on avait rappelé ce point-là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'une grande simplicité. Il n'était pas, comme on l'a rappelé, ni dans l'extravagance, ni dans le luxe, ni dans le fait de s'efforcer inutilement pour arriver à certains résultats, se donner de la peine inutilement. Non, il était dans une certaine simplicité, dans une certaine singularité. Mais avec tout cela, eh bien, il restait, alhamdulillah, avec ce souci d'être dans une bonne présentation de soi. Le corps que nous avons, qu'Allah nous a accordé, l'âme qu'il nous a accordé, l'esprit qu'il nous a accordé, eh bien tout cela, ce sont des amanas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi un homme, eh bien d'une grande propreté, d'une grande hygiène de vie. On l'a vu, il aimait se parfumer, il aimait se purifier la bouche avec le miswak qui l'a accompagné toute sa vie jusqu'au dernier instant de sa vie. Jusqu'au dernier instant de sa vie avant de partir, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce monde, eh bien, il accomplit le miswak. Et d'une manière générale donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui accordait cette importance à sa personne, à son physique également. Et il prenait soin de lui. Lorsque les gens venaient, eh bien, ils voyaient face à eux un homme d'une grande beauté. Un homme d'une grande hygiène de vie. Propre, parfumé,
des vêtements simples, des vêtements parfois rapiécés, mais propres, et le soin qu'il accordait à son apparence. Il avait une chevelure qui arrivait à des différents niveaux, parfois lorsque c'était un peu plus long, ça arrivait même jusqu'aux épaules, parfois un peu plus court, et parfois jusqu'à la hauteur des oreilles. Ça, c'était la chevelure de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait le temps de huiler ses cheveux, il prenait le temps de les peigner, il prenait le temps de faire le tarajjul, cette propreté, cette hygiène de ses cheveux, et cela n'augmentait que de la beauté à sa beauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il accordait un soin à son physique. Il avait une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Il avait, aujourd'hui on sait, le repas équilibré, etc., mais de manière très simple. Et on sait qu'il n'y avait pas d'extravagance dans l'alimentation, dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il nous est arrivé de poser la question à un professeur en disant, est-ce que tel fruit, il faut manger comme ça, est-ce que c'est sunnat? Il dit, allez chercher d'abord pour voir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'occasion de manger ce fruit-là. D'une grande simplicité. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permettait. Et il y avait quand même ce souci, eh bien, de ne pas être dans l'extravagance. Toujours dans le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de la viande chaque jour. Il mangeait de temps en temps de la viande. Et il mangeait, comme les sahaba radiyallahu anhum le disent, avec un juste milieu. Les sahaba radiyallahu anhum, on trouve dans leur parole, kunna nahnu qawmun la na'kulu hatta najur, wa idha akalna fala nashba. Nous sommes un peuple qui ne mange pas tant que nous n'avons pas faim. On ne mange pas parce que c'est l'heure de passer à table. On mange quand on a faim. Et quand on mange, on s'arrête avant d'être rassasié. Ce n'est pas les yeux qui sont très gros devant la nourriture, etc. D'en avoir fait tout un art, d'en avoir fait toute une spécialité dans la préparation, dans le repas, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans une simplicité. Il prenait plaisir, bien sûr, lorsqu'Allah, ses faveurs étaient présentées à lui, il prenait le temps d'apprécier ce qu'Allah lui donnait. Mais toujours dans le juste milieu, toujours dans une certaine modération. De la même manière, il avait une hygiène de sommeil. Aujourd'hui, ça nous fait beaucoup défaut. Beaucoup de gens se retrouvent parfois dans certaines pathologies et les médecins disent que vous avez besoin de vous reposer davantage. Parfois, même si ce sont des bonnes choses, mais de bonnes actions dans lesquelles nous sommes engagés, mais ne pas oublier que notre corps a un droit sur nous. Notre corps a un droit sur nous. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait vu, il demandait aux compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'un compagnon il a dit, moi maintenant, toutes les nuits, je vais prier, et je ne dors pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, viens là. Si tu ne suis pas ma sunna, tu ne fais pas partie de moi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ma sunna, c'est quoi? C'est le juste milieu. Il dit, moi, le soir, la nuit, je prie. Et on connaît les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son corps avait des droits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reposait. Il avait une bonne habitude qui est très difficile pour nous. Il se couchait tôt et il se réveillait tôt. Il n'avait pas fait d'études. C'est la science qui montre aujourd'hui que le meilleur sommeil, c'est celui de la première partie de la nuit. C'est justement lorsque l'on n'est pas encore au lit parfois. Mais le meilleur sommeil, c'est dans le premier tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bénéficiait de ce sommeil-là. Après la salat de Isha, il avait demandé, parce que les gens ne s'engagent pas dans les discussions futiles. Il n'est pas interdit si quelqu'un il étudie, si quelqu'un il travaille, si quelqu'un il est engagé dans le rappel, etc. Mais sinon, de manière globale, les discussions où on s'assoit pour s'asseoir, où on discute pour discuter, où on discute pour faire passer le temps, alors que c'est l'heure d'aller donner à ton corps son droit de se reposer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha anis samari. Il a interdit les discussions futiles la nuit. Alors ça peut être discuté entre nous, ça peut être la télé qui discute avec nous, les écrans qui discutent avec nous, le téléphone qui discute avec qui, et le temps il passe et il passe. Et après le matin on s'étonne que c'est difficile de se réveiller. C'est difficile parce qu'on s'est couché tard. On le disait, la sunna,
eh bien, c'est le salut pour notre âme dans l'akhira, mais c'est le salut pour notre dunya, pour notre propre âme et notre corps dans cette dunya. Si nous mettons en pratique la sunna, c'est notre santé, notre corps qui s'en portera mieux. L'équilibre, l'hygiène de vie, la qualité de son alimentation, la qualité de son sommeil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était un homme qui accordait de l'importance à tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on le sait que ce qu'il nous a interdit, eh bien, c'est ce qui nous fait du bien. Wa yuhillu lahumut tayyibat. Allah ta'ala, il a mis beaucoup de choses très profitables, pures et bénéfiques pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit, wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, les choses qui sont mauvaises pour nous et qui portent préjudice. Donc, ce soin qu'il avait de ce qui était utile, de ce qui était bénéfique, eh bien, il le répandait autour de lui. Et c'est pour ça que notre din est venu, pour nous permettre certaines choses et pour nous éloigner de certaines choses. Et on le rappelait ce matin que dans les règles de notre din, il y a un objectif suprême majeur, un objectif parmi les objectifs suprêmes de notre din, qui est la préservation de son nafs, de son corps, de son intégrité physique. C'est un devoir pour le croyant d'utiliser la amana qu'Allah lui a accordée et de préserver cette amana, préserver son corps, ne pas se faire du tort à soi-même. Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, de par vos propres mains, ne vous jetez pas dans la destruction. C'est ainsi qu'Allah a interdit l'alcool. C'est ainsi qu'Allah a interdit les drogues. C'est ainsi que notre din nous demande de nous éloigner de ces substances qui sont nocives pour nous. Et parmi ces substances, hein, celles qui ne constituent pas un interdit comme l'alcool directement, ou comme la drogue directement, mais qui passe plus soft, qui fait parfois cool, qui fait une bonne ambiance lorsqu'on se retrouve entre camarades, le fait de fumer. Ça continue, hein, on est toujours dans le sujet. Hein, l'hygiène de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de novembre, il n'y a pas de hasard, c'est le mois sans tabac cette année. Si vous le saviez, alhamdulillah, tant mieux. Sinon, eh bien, je vous l'apprends. Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. C'est pour que les gens, ils prennent des résolutions. Ils se lancent des défis pour s'encourager mutuellement pour arrêter de fumer pendant 30 jours et pour que cela donne une impulsion pour la suite. Alors, bien sûr, il y a une certaine, un manque de logique où ce qui est néfaste est quand même vendu et à côté de ça, on nous fait des campagnes sur campagnes pour nous dire que ce n'est pas bien. Alhamdulillah, on a un dîne. Le musulman, normalement, il n'a pas besoin de regarder sur le paquet qu'il est écrit que le tabac, oui, tue. C'est, il n'y a pas d'ambiguïté, mes frères. C'est cash. Le tabac tue. Les images, elles sont là. Responsables, parmi les plus hauts taux de mortalité, donc le tabac, la cigarette, la nicotine, le fait de fumer, etc. On dit qu'il y a plusieurs milliers de substances dans ces cigarettes que les gens peuvent fumer. Attention, on n'incrimine pas personne, on n'accuse pas personne, on ne juge personne. C'est un rappel tout simplement entre nous. C'est notre devoir de se rappeler mutuellement et de s'encourager mutuellement. Que notre din, eh bien, il nous demande de préserver notre santé. Et la cigarette n'aide pas à la santé. Elle aide à dégrader la santé jusqu'à tuer tout simplement. Les savants, ils ont dit que fumer, ils ont qualifié cela d'un suicide complaisant. Qu'est-ce que ça veut dire un suicide complaisant? C'est-à-dire que quand tu fumes, eh bien, tu es en train de contribuer à ta propre fin, mais complaisant. On rigole, on s'amuse, on s'assoit, on va fumer, on va vapoter. Hein?
la vapoteuse, le paf, comme on dit. Les jeunes qui ont trouvé que c'est tellement tendance, des petites cigarettes électroniques jetables. C'est attrayant. Parfum pastèque, parfum pêche, fraise. On nous fait glisser ça comme des fruits. Sauf que jamais ça n'a la vertu, ça ne possède les vertus des fruits. Les fruits, c'est très bien. 5 ou plus par jour, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais non, pas le tabac, pas la cigarette. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le cancer, tout simplement, et d'autres maladies. Et ça impacte le corps entier. Et sans vouloir m'étendre, puisque le temps se termine, ça n'impacte pas que le corps, ça impacte la spiritualité. Nous savons que les anges sont incommodés par les odeurs. C'est pour ça que notre dîne nous dit, quand vous venez à la masjid, ne venez pas juste après avoir mangé de l'oignon et de l'ail. Purifiez-vous votre bouche. Parce que dans la maison d'Allah, il y a la présence des anges. Et ils sont incommodés par ces odeurs. Et celui qui fume, qu'on le veuille ou non, ça va avec, ça fait partie du package. Hein? Il y a la nicotine qui entre, les maladies qui s'installent, il y a l'odeur tout simplement. Il y a jusqu'à la couleur qui peut se voir sur les lèvres et sur le visage. Et ça, ça peut causer du tort, ces odeurs, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut causer du tort et déranger même la famille. Hein? Si on a madame à la maison, etc., ces odeurs qui s'installent. Tout ça pour nous dire quoi? Que notre dîne, eh bien, il rend halal ce qui est profitable pour nous et bénéfique, et qu'il nous demande de nous éloigner de ce qui peut causer du tort. Alors ça touche pas seulement à notre santé, ça touche aussi à notre portefeuille. Pendant le mois sans tabac, eh bien, on propose aux gens de faire une roue des économies. Ceux qui vont, alors on propose une petite roue comme ça, et en fonction de la quantité que vous avez l'habitude de fumer, eh bien, on fait un calcul. Qu'en une semaine, combien ça vous coûte? En un mois, combien ça vous coûte? Au bout d'une année, combien ça vous coûte? Certaines personnes fument au point qu'au bout d'une vie, ils auraient pu s'acheter une maison. Subhanallah. Et certaines personnes fument, si chaque année, ils ne fumaient pas à ramasser cet argent, ils pourraient s'offrir un voyage en fin d'année tranquillement. Ça, c'est juste pour la poche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre et de faire attention parce que le tabac, ses odeurs peuvent aussi empêcher une bonne mort au moment de notre départ. Nous empêcher de, parce que la kalima sorte de la bouche au moment de partir. Je n'invente pas, c'est écrit, il faut faire attention. Si on peut, c'est pour ce que je dis, sans aucune accusation, entre frères, de se dire, faisons un effort. Si nous sommes dedans, eh bien, on essaye de sortir petit à petit. Des moyens existent. Il faut aller voir, il faut aller consulter, il faut aller demander un suivi pour que petit à petit, eh bien, on quitte ces mauvaises habitudes pour que, inshallah, on soit dans cette âme qui est saine, qui est dans un corps qui est sain, inshallah ta'ala. فجزاكم الله خيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.